All right, no reset. J'espère que vous êtes prêts pour Peppa Pig. John Mycroft, c'est à toi. Bonjour. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Excusez-moi, je faisais juste un dernier check-up des réglages techniques au niveau des touches, surtout. Bonjour. Bon matin, surtout. Je pense que beaucoup se réveillent actuellement. Et je tiens à m'excuser tout de suite parce que, à cause de moi, vous allez passer une bonne journée. On va passer sur mon ami Peppa Pig. C'est un petit jeu pour enfants très classique, mais vous allez voir, les voix sont vite, comment dire, comme un verre d'oreille. Vous allez les entendre toute la journée. Je vais lancer la game, puis en même temps, je vais vous parler. En fait, l'avantage de ce jeu, c'est que je vais pouvoir aussi vous parler souvent. Il y a beaucoup de dialogues. Ok. Alors, j'ai déjà fait mon personnage parce qu'il y a comme un tutoriel à passer avant de pouvoir lancer la run. Donc, c'est déjà fait. Maintenant, dès que je rentre, j'entre directement dans le jeu. Donc, dès que j'appuie sur entrée, on va pouvoir envoyer le timer. Je sais pas si ça vous va en technique. En tout cas, moi, j'y vais. 3, 2, 1, c'est parti. Ok. Donc, on commence. La première étape qu'on a à faire, c'est d'aller se rendre chez les grands-parents pour aller à la plage. Oui. Donc, c'est très simple. On a juste à avancer et à se rendre à la maison de Peppa Pig. Et de ses grands-parents, plutôt. Normalement, j'aurais pu mettre la voix en russe parce qu'elle va plus vite. Mais étant donné que j'avais envie que vous profitiez de leur voix française, je vous l'ai mis en français. Bon, en vrai, c'est pour que vous souffriez autant que moi j'ai souffert en m'entraînant pour cette run. Parce que oui, entendre Peppa Pig qui parle toutes les 5 minutes... Ça devient très lassant. Donc là, on arrive dans la maison des grands-parents. Puis, en fait, la chose la plus compliquée dans cette run, ça va être surtout tous les événements aléatoires, les RNG. En gros, à chaque fois qu'on va prendre la voiture, on a un 30% de chance de tomber sur une scène qui nous ralentit et qui nous fait perdre environ 30 secondes de la run. Donc c'est vraiment plus une question de chance qu'une question de technique. Voici la maison de Mamie et Papy Pig. Voilà, donc là on est chez Mamie et Papy Pig par exemple. Alors on peut appuyer sur... Voilà, par exemple là c'est le premier événement RNG. Je m'y attendais à ce qu'on en ait un. Et donc on perd énormément de temps. En gros, il nous explique qu'il y a un arbre sur la route. Et on est obligé de suivre cette histoire. Des racines d'arbres ont créé. Mais oui, tout de suite, ça nous fait perdre un bon 30 secondes, puis je peux rien faire à part attendre. Il n'y a aucun moyen de skipper ça, ça fait partie du jeu. Alors, en tout, on va prendre souvent la voiture, mais on a quand même des petits moyens d'éviter de la prendre trop souvent. C'est-à-dire qu'on va souvent retourner au menu pour retourner dans la maison. Vous allez voir, il y a quand même un petit chemin technique à bien respecter pour éviter au maximum ces événements aléatoires. Merci beaucoup. Et là, ça, vous l'allez entendre souvent. Au revoir, monsieur Rhinocéros. Merci d'avoir réparé la route. Voilà, vous allez l'entendre très régulièrement. Et là, il ne faut pas oublier d'appuyer sur espace comme je viens de faire, évidemment. Donc, vous allez voir, en fait, c'est principalement du dialogue. Et donc, je vais plus parler avec vous que de jouer. Je m'excuse d'avance. Pour la petite histoire, en fait, j'ai fait l'Extra Life, les 24 heures pour Enfant Soleil. Et c'était dans les Donation Goals que je fasse ce jeu. Et après l'avoir fait une première fois, c'est devenu un délire de communauté où ils m'ont dit « présente-la en run, de speedrun ». Et donc, on s'est lancé dans l'aventure speedrun grâce à ça. Oui, mon premier speedrun, c'est Peppa Pig. Voilà, c'est dit. Il y a plein de choses rigolotes à faire sur une plage de rochers. Regarde autour de toi. Donc là, une fois qu'il aura fini de parler, il va nous dire d'appuyer à l'endroit où il y a la flaque. Puis dès qu'on a la flaque, il faut tout de suite passer au menu pour ne pas avoir un nouveau trajet de voiture. Donc c'est ça le plus compliqué dans la run. D'habitude, quand on fait une run vraiment plus officielle qui va être envoyée à Lifefleet, il faudrait utiliser un load remover pour enlever toutes les temps de sauvegarde et de chargement. Donc là, on peut passer et là, on va directement. Et on retourne dans la maison de Peppa Pig. Et on refait le même trajet, mais cette fois-ci, on va aller se rendre au jardin d'enfants.
Je veux pas trop vous spoiler l'histoire. Vous allez en manquer plein. En vrai, il y a plein de références à la série télé dans le jeu au complet. La run, elle gâche la moitié de l'histoire. Ça n'a plus rien à voir avec le jeu. Mais on va la finir. Donc oui, étant donné qu'on n'aura jamais fait toutes les activités chez papy et mamie, ben, notre chemin fait en sorte qu'on va toujours avoir, malheureusement, un petit dialogue sur « il faut aller voir mamie et papy » alors qu'on les a vus. Et c'est pas grave, c'est Peppa Pig, elle a un petit problème de mémoire. Donc là, on est à la garderie, on va pouvoir aller se rendre dans le jardin d'enfants qui est juste à gauche, juste à droite, mince. Je commence à confondre ma gauche et ma droite, ça va pas le faire. Mais ouais, on va directement à droite, puis on va interagir avec un arbre en particulier. Donc là, on s'en fiche de tout ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce petit arbre-là. Parce qu'il y a quelque chose dedans qui s'est échappé de la garderie. Oui. Ben oui, dites bonjour à Monsieur l'arbre si vous êtes là. Si jamais vous avez des enfants, c'est le moment ou jamais de les faire regarder des speedruns. C'est une bonne façon de les encourager. Eh oui, c'est Titine la tortue. Qu'est-ce qu'elle fait dans l'arbre? Ben, elle est bloquée. Et elle fait un petit bruit tout mignon. Il faut qu'on la fasse redescendre. Oh, pardon, excusez-moi. Si elle n'est pas là. Oui. Mais comment faire? Et donc là, on a un problème, on est tout petit. Donc, on va aller demander à Madame Gazelle. Madame Gazelle saura comment faire redescendre Titine la tortue de l'arbre. Oui, oui. Je tiens à vous le dire quand même que j'ai fait... au moins 50 fois cette run. Et c'est toujours une souffrance énorme d'entendre parler Madame Gazelle. Madame Gazelle, je connais par cœur tous les... En fait, je pourrais presque les dire à leur place. On pourrait enlever leur dialogue et je ferai tous les voice acting. Ça se ferait. Tiens bon, Titine. Mais non, mais je vais pas le faire. Oh non, elle est trop petite, elle aussi. Ah mince alors. Dans l'histoire, dans le jeu au complet, si on le fait vraiment à 100% en faisant tous les dialogues, on fait une course avec les autres enfants de la garderie. Puis c'est tellement injuste parce qu'on gagne la course et elle nous le dit en dernier et elle nous félicite même pas d'avoir gagné. Elle nous dit juste genre « Oh bravo, tout le monde mérite de gagner parce que vous avez fait du sport, c'est tout. » Elle est comme « Hein ? Mais non, je peux pas, je veux gagner. » Donc là, on a fini la garderie. On va pouvoir se rendre maintenant dans la forêt pour ramasser des déchets. Et ensuite, prendre le ballon de Madame Lapin pour aller à la neige. Oui, parce qu'en une journée, c'est l'été, on va à la plage. Puis après, on va en hiver, c'est normal. C'est Peppa Pig, faut pas se poser de questions. Et si on allait voir mon papy et ma mamie? Allons voir papy et mamie. Encore une fois. C'est un dialogue qui est toujours là, qu'on n'ira plus. Mais elle va nous le dire à chaque fois qu'on va partir de la maison. Et si jamais aussi on s'amusait à, par exemple, juste s'arrêter, elle nous dirait « Ah, s'il vous plaît, faut qu'on fasse quelque chose, je m'ennuie. » Donc oui, non, non, Peppa Pig est l'amie la plus tortionnaire qu'on puisse connaître dans ce monde. Là, il existe un glitch avec le petit papillon qu'on voit là, mais c'est interdit dans les speedruns d'utiliser le glitch du papillon. Donc il faut juste parler avec le papillon. Tout simplement. Alors, si jamais il y avait des gens qui s'attendaient à un speedrun très technique, je m'excuse, c'est pas du tout très technique. C'est le speedrun le plus facile que vous allez voir de tous les speedruns, je pense, de cette journée. Tu pourrais aider Peppa à nettoyer la forêt. Oh non ! Là, il faut penser que Peppa est un peu plus fainéante que nous, donc elle va prendre moins d'objets que nous. Mais on peut utiliser ça à notre avantage. C'est-à-dire qu'elle est un peu lente, donc nous, on a le temps de ramasser et d'aller aux bons endroits chercher les bonnes choses. Et oui, c'est normal qu'elle n'ait pas pris la pomme tout de suite, c'est fait pour qu'elle la prenne après. Tout est calculé. D'ailleurs, je pense que c'est la première fois que je le fais aussi bien, la poubelle. Bravo. Si tout le monde s'y met, c'est facile de garder la forêt propre. Là, on va prendre le ballon, la montgolfière, pour aller à la montagne d'hiver.
Et il y a aussi un événement aléatoire qui peut se produire avec un petit oiseau qui vient chanter. Je l'ai très régulièrement et c'est vraiment horrible. À une époque, je m'étais dit, c'est simple, fais voler la montgolfière le plus haut possible, puis les oiseaux ne volent pas aussi haut, donc t'as pas besoin de t'en inquiéter. Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça, c'est juste aléatoire. Donc on se débrouille comme on peut, on attend et on espère que l'oiseau ne va pas pointer le bout de son nez, tout simplement. Déjà, on a déjà eu un événement RNG qui nous a rajouté un 30 secondes. Il ne faudrait pas qu'on en ait de trop dans cette run-là, parce que sinon on n'y arrivera pas. Là, par exemple, on a évité l'oiseau. On n'aura pas l'oiseau. Maintenant, il y a des scènes précises où il faut s'arrêter pour pouvoir continuer dans l'histoire. Donc là, au moment où ils sortiront de la montgolfière, c'est seulement à ce moment-là que je pourrai retourner au menu. Genre là, ça ne marchera pas. C'est seulement maintenant. Donc, si tout va bien, on devrait nous faire dire qu'il faut qu'on aille au château des quatre vents avec la famille. Parce qu'encore une fois, je suis son ami, mais ça fait quelques jours que je vis chez eux et que je fais tout avec la famille. Donc, normalement, si tout va bien ici, on devrait me dire « Ah, on va au château des quatre vents ». Voilà, donc c'est bon, on est bon, la run est toujours bonne. S'il ne nous l'avait pas dit, là, je me serais posé des questions. Le château aux quatre vents a une très grande tour. Youpi. Il y a une super vue. Tu verras. En vrai, ça vous vend du rêve, mais c'est pas non, du rêve. Ah non, il va répéter ça trois fois. Dinosaure. Mais tu peux prendre Monsieur Dinosaure avec toi. Oui. Youpi. Très bien. Et si vous avez je sais pas qui a été payé pour faire ce dialogue de dinosaure, mais il l'a fait. Oui, il le fait. Allons dans la voiture. Alors là, les parents partent. Et là, après, elle dit, il faut vraiment qu'on aille dans la voiture. Hein. Merci, on le sait, Peppa Pig. Donc là, encore une fois, c'est une voiture. Donc, on peut avoir un événement RNG comme celui-ci. Voilà, encore une fois, on ne peut rien y faire. Est-ce que je peux profiter de cet événement RNG pour faire un petit don? Oui, vas-y. On a petit Chloé qui donne un 10$, qui dit, courage, c'est la dernière fois que tu entends, Peppa. On a beaucoup de commentaires dans le chat aussi qui disent « Bonjour l'arbre ». Pourquoi pas accompagner un petit bonjour avec une petite donation, gang? Exactement, je suis d'accord. C'est important de faire des donations pour la santé mentale. Je le prône beaucoup sur ma chaîne, bien que je n'ai pas les outils pour les aider les gens. Mais je fais souvent des petits appels à « C'est important ». Donc allez-y, s'il vous plaît, faites des dons. Laissez-moi finir en paix peut-être la run. Et après, on va aller manger du bacon pour fêter ça. Ça vous va? Au revoir, monsieur rhinocéros. Ross, merci d'avoir réparé la route. Bacon. Oui. Avec des pancakes, je dirais pas non aussi. Là. J'ai entendu une petite recette là. Crêpes, fromage, bacon et sirop d'érable. Je suis intéressé. Tu es arrivé au château aux quatre vents avec Peppa et sa famille. Et donc là, on attend simplement qu'il monte en haut du château. Vous avez vu, le château n'est pas incroyable, hein, mais bon. C'est un grand château. Alors, je suis triste parce que vous manquez le plus drôle du jeu, c'est leur rire. En fait, on les entend très peu. Voilà, là, on peut retourner au menu. Et donc, on va pouvoir vérifier si ça a fonctionné, si... Dans l'escalier de la maison, il y a une photo du château. Ouais, le jeu s'est pas trop embêté pour nous demander comment savoir si ça fonctionnait ou pas. Mais je pense que la run est toujours bonne. C'est vraiment pas très compliqué. Vous voyez là, genre à l'escalier, il y a la petite photo du château. Donc on va pouvoir aller au musée. Pour aller au musée, c'est le plus compliqué parce qu'il faut prendre deux véhicules. Donc plus de chances encore d'avoir des événements RNG. Malheureusement. Donc on en a un premier ici, et on l'a, malheureusement. Ça là, c'est vraiment dommage, parce que c'est 30 secondes perdues pour rien. Puis, c'est principalement ça qui fait qu'une run réussit ou pas. Là, pour le moment, j'en ai eu 3 d'événements. C'est beaucoup quand même pour une run, malheureusement. Mais j'ai bon espoir pour la fin. Il nous reste encore quelques voyages.
Vous êtes prêt à entendre à nouveau Peppa Pig dans pas longtemps. Et donc la version russe permet vraiment d'aller plus vite dans ces dialogues-là. Mais j'avais envie de vous faire profiter vraiment de la voix agaçante de Peppa Pig. Attention. Oh, je vois. Merci. Au revoir, monsieur Boule. Au revoir, monsieur Rhinocéros. Merci d'avoir réparé la route. Allez, on y va. Maintenant, on va prendre le bus avec toute la garderie pour aller au musée. Mais les parents seront quand même au musée, même s'ils ne nous accompagnent pas en bus. Moi, je comprends pas. Pardon, même s'ils ne nous accompagnent pas en bus. Allez savoir. Te voilà à la halte garderie. Un endroit où tu peux apprendre et jouer avec Peppa et ses amis. Mais oui, il faut quand même que je remercie, je sais pas si elle est dans le chat, peut-être que tu pourras me le dire au micro. Un autre RNG malheureusement, mais j'en profite. Je remercie quand même Nanor, c'est elle qui a donné l'idée et qui a un peu forcé pour que je joue à Peppa Pig. Et c'est un peu grâce à elle que je suis là aujourd'hui. Voilà. Je te confirme qu'elle est présente dans le chat. Mais merci beaucoup, Nano. C'est grâce à toi. On fait remarquer aussi qu'il y a probablement autant de travaux puisque la run a lieu à Montréal. Fait que... Je suis totalement d'accord. D'ailleurs, moi, je viens de Rivière-du-Loup. J'ai fait la route pour venir ici en bus, plus en taxi pour arriver jusqu'à l'hôtel. C'est terrible à quel point la route à Montréal est en travaux. Elle est dans cet état-là. Sur le côté de la route. Si seulement on avait Monsieur Boule à Montréal. Mais oui, et Monsieur Rhinocéros. Ah, faut pas l'oublier. Oh oui, attention, elle l'oublie jamais, en tout cas Peppa Pig. Elle le dit tellement souvent, mais elle l'oublie pas. Et donc oui, quand on est en voiture, on peut appuyer sur le bouton espace pour aller un peu plus vite. Il faut pas l'oublier. Le musée. Mais pour vrai, le jeu en lui-même est encore plus affreux. Il y a beaucoup plus de blagues pas drôles et de références à Peppa Pig, évidemment. Mais on suit l'histoire de toute la famille. Donc, ce qu'on voit ici, c'est vraiment un aperçu qui est trop rapide parce que c'est un speedrun pour finir le jeu rapidement. Mais on peut cliquer sur toutes les interactions et ça va du plus intelligent au plus stupide, vraiment. Donc, je vous encourage vraiment, si vous avez un jour l'occasion de le faire. Généralement, ça marche très bien avec les commus de jouer à Peppa Pig. Je vous le dis comme ça, là. Petit conseil pour les streamers. Il sait beaucoup de choses sur l'univers. On va vraiment aller sur la Lune ? Non, Peppa. Non, on va pas sur la Lune. Bien sûr, Peppa. Ah, mon Dieu. Une fausse Lune. Maintenant, tous les passagers. Et donc là, c'est un événement où on n'a pas le choix de suivre l'histoire. Donc on va la suivre avec bonheur. Vous allez voir que les connaissances scientifiques qui sont mises de l'avant dans Peppa Pig... ne sont pas énormes. Hein. Mais bon, il faut se rappeler que normalement, c'est pour les enfants. Bravo. Bravo, Peppa Pig. C'est des planètes. Non, pas vraiment. Tu connais même pas la Terre. La Terre. Ben voilà. Très bien, Peppa Pig. Voici la Terre. Il y a aussi Vénus. Moi, je m'attendais à ce qu'ils fassent une blague en anglais avec Uranus, mais ils l'ont pas fait. Voilà. C'est un satellite. Les satellites volent autour de la Terre pour qu'on ait la télévision et l'Internet. Ouais. Ah oui ? Mais comment ils font ? Et là, vous allez voir, il fait exactement la tête que je fais quand des étudiants me posent des questions beaucoup trop difficiles en biologie. Je deviens rouge et je suis comme... je chercherai la réponse plus tard. Ok, c'est bon. On peut passer au menu. On a fini avec ça et normalement, maman et... Papa Peppa Pig vont enfin nous dire « C'est bon, vous pouvez aller au super manège de super patates. » Parce que c'est bien de manger des légumes tous les jours. Voilà. Peppa, vous avez été très occupés tous les deux, non ? Genre, il faudra quand même qu'on m'explique à quel moment on invite son ami à aller à un parc et qu'on lui paye tout depuis le début de cette aventure. On a son ami qui est là, qui la suit partout, qui se fait tout payer. On est vraiment un opportuniste dans cette famille. Mais il nous appelle amis, donc ça nous va. Allons à Patata Park. Nous voilà. Papa Pig, le Patata Space ne t'a-t-il pas rendu malade la dernière fois ? Oui. Mais
Ça n'arrivera pas cette fois. Papa Pig a un petit estomac très fragile. Est un endroit magique, plein de choses passionnantes. Où Monsieur Patate t'apprendra l'importance des légumes. Ah oh, mon Dieu, si vous savez comme j'attends juste la fin du jeu pour dire c'est fini. Liberté. Ah oh, merci, on n'a pas eu le dernier RNG. Ça nous fait gagner un gain de 2 minutes. Je pense malheureusement qu'on va pas réussir à le faire en 21 minutes 05. Étant donné que la fin, avant de fermer le chrono, va nous prendre au moins une minute. Je pense qu'on n'arrivera pas au 21. J'espère, mais j'aimerais bien qu'on arrive en dessous de 22, au moins. Je pense qu'on est capable de le faire. On n'a eu que 3 événements aléatoires. D'habitude, j'en ai beaucoup plus. J'ai jamais de chance, en fait, avec ce jeu. Vous êtes venu vous amuser. Oui. Vous êtes venu explorer. Oui. Vous êtes venu pour en apprendre plus sur l'importance de manger des fruits et des légumes au moins 5 fois par jour. Oui. Fantastique. Ok, on a quand même le droit de venir même si on n'est pas super intéressé par les légumes. Ça me va. Je ferai jamais confiance à cette patate avec moustache comme ça. On est d'accord que j'irai pas avec mes enfants dans ce parc-là. Allez-y les enfants, amusez-vous bien. Ok, et donc là il va falloir qu'on interagisse avec tous les objets présents dans le parc. On a celui-là qui est comme le plus long à interagir. Et dès qu'on est arrivé au carrousel, on va avoir une petite dialogue de fin qui est très long. Et c'est fini. Et donc oui, dans les runs officiels, comme je disais, normalement on enlève tous les temps de chargement quand on retourne au menu. Là évidemment on ne pouvait pas le faire, mais et c'est très compliqué à configurer en vrai, mais c'est pas mal entre 19 et 22 minutes les runs de Peppa Pig. Donc si on arrive au moins à faire du 21 minutes, ça serait très cool. Maintenant, t'es une tomate. Merci. Là, le petit va pouvoir dire une dernière fois dinosaure. Il va être très content de faire dinosaure. Ah non, là, il ne le fait plus. C'est vrai, il bug. Ah, il limite, c'est vrai. Ok, tout va bien. Donc là, il faut qu'on interagisse avec un des dinosaures. Et il ne nous reste plus qu'à aller sur le carrousel où on va pouvoir prendre la place du navet. Voilà. J'espère que vous connaissez tous vos légumes là-dedans. Hein. Donc Peppa Pig, elle est bien sur une carotte. Puis ses amis, on a une aubergine dans le coin, un navet. Voilà. Donc là, on attend la fin de tout ce dialogue-là. Et on va pouvoir arrêter le timer dès qu'on voit le logo « Mon ami Peppa Pig ». Voilà, donc pour la technique, vous pouvez arrêter le chrono à ce moment-là. On s'est bien amusé, non ? Oui, d'accord. On s'est bien amusé, youpi. Donc oui, il y a des personnages que vous n'avez pas vus dans la run, par exemple le petit perroquet. Mais il le trouve très drôle, en général. Vous avez aidé la pauvre Titine la tortue à la halte garderie. Donc oui, là, il nous répète tout ce qu'on a vu, en fait. Parce que dans chaque épisode de Peppa Pig, ça se finit par ça. Et au musée. Voilà. Vous avez bien aimé le voyage sur la Lune ? Moi, j'adore. Ça fait un moment que je te vois partout en ville. C'est bien de voir des nouvelles têtes. Oh oh, bah oui, une petite slowpoke, c'est mérité. J'ai peut-être un peu surestimé la chance qu'on pourrait avoir au speedrun de ne pas avoir des RNG. J'ai peur de la faire tomber, je vais faire attention. Ah ouais, c'est vraiment un de mes temps les plus tristes aujourd'hui. Mais c'est fini. Dans tous les cas, je me dis juste, c'est fini Peppa Pig. Et là, ils vont tous s'écrouler de rire. Voilà, c'est merveilleux. Et théoriquement, le timer s'arrêterait là. Bon, bah merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir suivi cette run. Oh my god, c'est terminé. La souffrance. Tu es libéré. Une bonne main d'applaudissement pour John avec Peppa Pig, tout le monde. Merci beaucoup. Merci encore une fois, John. Et on s'en va en transition bientôt. On aura une run de Inspecteur Gadget Any%. Donc, restez des nôtres. On s'en va une petite pause. Oui, puis si j'ai bien compris, il y a comme 4 personnes en plus qui vont la faire.
Oui, je vais prendre le temps de nommer tout ça pendant la transition.